Bonjour, j'ai décidé de changer de place parce que ma fille, avec sa caisse claire, me tombait un petit peu sur les nerfs. Donc, je suis rendu dans ma cuisine, dans mon petit tableau où habituellement ma blonde écrit ses recettes. Mais bon, comme on n'a rien mangé en fin de semaine, il n'y avait rien écrit. Donc, j'ai fait faire le numéro 5. Vous avez reconnu 8 tiers, plus parenthèse, moins un tiers, plus moins 2 cinquièmes, fermez la parenthèse, moins 9 demi. Tout de suite, il y en a qui me crient dans ma cuisine. T'as un plus moins, monsieur Jean? Mais pas de tort. Vous avez un plus moins, donc on va pouvoir tantôt le remplacer par moins. Et là, si vous remarquez, j'ai une belle parenthèse au centre, donc je devrais la faire en premier. J'ai des tiers et des cinquièmes. Donc, tiers, cinquièmes, si vous regardez vos tables de multiplication, pour ceux qui ont un petit peu plus de difficultés que les autres, des tiers et des cinquièmes, ce qu'ils ont en commun, bien sûr, c'est 15. Donc, en faisant fois 5 en haut et en bas sur celle de gauche, et en faisant fois 3 en haut et en bas sur celle de droite. Donc, mon 8 tiers ici, je le réécrirai comme si de rien n'était. Ma parenthèse aussi, bien sûr. Mon moins ici, ben lui, il va attendre. Hein? Il va attendre que sa fraction se transforme. Hein? Le négatif reste là, il attend. 1 fois 5, bien sûr, 5. Et 3 fois 5, on sait que ça fait 15. Le plus moins, tantôt, on s'est dit, on sécurise notre cerveau, on va remplacer par moins. 2 fois 3, ce qui donne 6. Et 5 fois 3, ça donne toujours mon petit 15 que je cherchais tout à l'heure. Moins 9,5. Là, je suis prêt. Je suis prêt à additionner mes deux fractions qui sont maintenant sur le même dénominateur. Ceux qui ont peut-être un petit peu de difficulté, sachez que ça va donner bien sûr sur 15, mais à savoir combien de sur 15, venez peut-être les réécrire en brouillon à quelque part sur votre feuille. Moins 5, moins 6. C'est sûr qu'en le voyant en fraction, des fois notre cerveau capote un peu. Donc moi, ce que je vous conseille, je vais essayer de l'écrire en haut. Si vous le voyez, tant mieux. Je viens réécrire sur ma feuille brouillon tout simplement moins 5, moins 6. Puis là, je trouve ça plus facile. Je me dis, ah, ça, mon cerveau, il aime ça, voir ça. Ça, il ne trippe pas pantoute. Ça, il aime ça. Recul de 5, recul encore de 6. Donc, je vais reculer et encore reculer. Donc, j'aurai nécessairement reculé de beaucoup, c'est-à-dire, pardon, de 11. Donc, je vais inscrire mon moins 11, 15e. Mon 8 tiers ici n'est pas encore fait. Mon plus non plus. Lui, il faut qu'il descende là. Moins, je vais le mettre plus en évidence pour que la caméra le voit bien. Moins 11. 15e. Et je termine à la fin avec mon moins 9,5 qui n'est pas fait non plus. Encore une fois, je vous entends à la maison. Plus, moins ici. Que le moins soit prêt. Hein. Vous savez, le moins appartient à la fraction au complet, pas seulement au 11. Hein. C'est la fraction qui est négative. Donc, je pourrais sécuriser mon cerveau tout à l'heure. Je vais transformer ça en moins. J'ai plus de parenthèses, donc je vais faire mes deux fractions qui sont le plus à gauche. Mes fractions le plus à gauche, c'est des tiers et des 15e. Tiers, on l'a fait tantôt, hein, on est capable de transformer ça en 15e en multipliant par 5. Ce que je fais en haut, en bas, pardon, je le fais en haut. Ça deviendra bien sûr 40 15e. 40. C'est pas grave, hein, 40 15e. Je sais qu'au primaire, des fois, on n'est pas habitué à avoir des aussi gros chiffres. Mais il faut s'y habituer. Hein, au secondaire, on n'a pas peur de ça. Donc, j'ai écrit, hein, vous savez, moins 11 15e parce que j'ai sécurisé, pardon, mon cerveau. Là, je suis prêt. Il faut que j'écrive petit parce que vous ne me verrez pas à la fin. Je pense bien que je vais même l'écrire plus haut ou même peut-être à côté, tiens. Donc, j'avais 40 15e, j'en ai enlevé 11. Il va m'en rester 29. Bien sûr, des 15e, moins 9 demi. Bon, oh boy, là, des 15e puis des demi, c'est pas évident de trouver quelque chose qui est en commun aux deux. Mais si vous regardez vraiment vos tables de multiplication, à mon 2, je ne peux pas faire fois quelque chose qui arrive à 15. Donc, commencez dans ce temps-là par le plus gros des deux. Commencez par trouver les multiples de ce plus gros-là. Là, vous allez vous rendre compte que les multiples de 15, il y a 15. Après 15, il y a 30. Il y a 45. Il y a 60. Puis là, vous allez vous rendre compte que 30, c'est un nombre pair. Bien, si c'est un nombre pair, nécessairement, je peux prendre ma demi, puis la transformer en, bien sûr... 15, en 30e. Fait que je vais effacer en haut. Je vais repartir en haut. Je vais tout effacer ce que j'ai fait là. Puis vous reculerez la vidéo. Hein, c'est ça qui est cool aujourd'hui. Donc, j'ai 29. On va l'écrire gros cette fois-ci. 15e moins 9,5. Je suis capable de transformer ça en 30e en faisant x2. Et ici, en faisant x15. Ce qui va me donner ici, mon Dieu, 58
30e, moins ce 9 et 135. 30e. Mais comme je disais tantôt, c'est pas parce qu'on est au secondaire que là, aujourd'hui, on a peur de tout ça, des fractions avec des gros chiffres, des gros nombres, pardon, là-dedans. Bon, ma réponse, bien sûr, sera des 30e. Là, reste à savoir 58 moins 135. Oh boy! Si ça vous mélange, le voir comme ça, prenez, comme je vous disais, une feuille brouillon, venez l'écrire 58 moins 135. Bon, avance de 58, recule de 135. Oh boy! J'avance, puis je recule après, puis je recule de beaucoup. Fait que nécessairement, ma réponse va être négative. Et comme je vous disais, hein, venez prendre votre truc, soustrayez le plus gros du plus petit, puis comme vous savez que vous avez plus reculé qu'avancé, mais votre réponse sera négative. Ici, je ne peux pas, j'emprunte 15, ce qui me donne 7. J'emprunte encore pour 12, ce qui me donne aussi 7. Donc, 77, mais il ne faut pas oublier que je recule plus que j'avance. Donc, comme je vous disais tantôt pour le numéro 4, même chose pour le numéro 5, j'accepte cette réponse-là sans qu'elle soit simplifiée ou mise en nombre fractionnaire. Mais ceux qui voudraient, vous savez que dans 77, j'ai 2 fois 30, 60. Donc, j'ai 2 entiers. Et si j'en ai 60, pour me rendre à 77, il m'en restera 17 sur 30. Mais il ne faut pas oublier, c'est un nombre négatif. Donc, je place un petit nombre négatif en avant, un petit moins. Donc, tu vous me l'as mis comme ça ou comme ça. Les deux réponses sont bonnes.